Située à 9000 km de la métropole, la Réunion est le plus excentré des départements français et la plus éloignée des régions constituant l'Union européenne. Île de la diversité ethnique, culturelle et religieuse, elle a produit des figures locales qui portent des noms évocateurs comme le Cafre, le Zoreille, le Malbar ou encore le Zarab, un terme qui désigne en réalité les musulmans originaires de l'Inde. Au sud de la Réunion, le marché de Saint-Pierre témoigne de la richesse de ce melting pot. Les couleurs, les parfums, les saveurs et les langues se côtoient, se conjuguent et se confondent parfois. À l'image de cette île qui permet à toutes les religions de vivre, de se développer et de cohabiter au quotidien, dans une visibilité pleinement assumée, sous l'égide de la laïcité. La Réunion compte 840 000 habitants, 70 000 d'entre eux sont musulmans. Leur histoire commence au XVIIIe siècle. La présence de musulmans à La Réunion, je ne parle pas de l'islam, de musulmans, date pratiquement du début de la colonisation. Dès 1763, parmi 34 esclaves qui arrivent de l'Inde, un est qualifié de mort, M-O-R-E, ou M-A-U-R-E, c'était l'acceptation à l'époque de tout ce qui était musulman. Dans les cargaisons d'esclaves et d'engagés qui se sont déversés sur l'île, il y avait eu des musulmans, certainement. Mais ces gens-là n'ont pas laissé, en tout cas ils n'ont pas pu pratiquer leur religion, ils n'avaient pas les structures. Et puis ils étaient sur les habitations des colons et ils n'avaient pas le droit de faire ce qu'ils voulaient. Et le catholicisme était religion obligée. Il a fallu l'arrivée des indo-musulmans du Gujarat, qui arrivent libres, qui, eux, sont des riches commerçants, des armateurs, pour commencer à instituer l'islam dans la Réunion. Les premiers indo-musulmans qui sont arrivés à la Réunion sont arrivés dans la décennie 1850. Ils arrivaient du Gujarat, qui est la province nord-ouest de l'Inde. Ils arrivaient principalement de deux districts, le district d'Ankeshwar, avec la ville de Surat, et le district de Baruch, avec la ville de Baruch, autrefois Broch, du temps des Britanniques. Dès 1892, ils décident d'acheter un terrain à Saint-Denis. Et 1892, ils sont à peine 130 dans l'île, hommes, femmes et enfants. 1897, il demande au gouverneur de l'époque de créer la mosquée de Saint-Denis. Et le gouverneur répond pratiquement deux mois après la demande, favorablement. Et la mosquée est terminée en 1905. À la fin du Ramadan, 1905, c'est l'année de la séparation de l'Église et de l'État. Et ils ont fait une grande fête à laquelle ils ont convié tous ceux qu'ils voulaient, les non-musulmans, pour que chacun puisse voir qu'il n'y avait rien de secret et que c'était un lieu de culte. Voilà, comme les églises, les pagodes, il y avait déjà ça, les temples à l'époque. 1905, c'est l'année de l'inauguration de la première mosquée à Saint-Denis. À Saint-Pierre, ils sont à peine 20 familles, il n'y en a pas plus. Avec les musulmans qui sont établis à Saint-Louis, à Saint-Joseph, au Tampon, donc proche de la ville de Saint-Pierre, il décide d'acheter un terrain de 780 mètres carrés en plein centre-ville pour servir de mosquée. Et la mosquée elle-même est terminée en 1913. Et sont arrivés des Comoriens libres. Ils sont arrivés en 1945, en 1946. Ils sont arrivés de Madagascar beaucoup ensuite, après l'indépendance de la Grande. Et puis après les troubles qu'il y a eu en 1975-1976, où ils ont été vraiment très très malmenés. Et tous ces gens-là, aussi bien ceux qui sont arrivés au début que après dans les années 70, ils ont été employés des Indiens, comme ils l'étaient à Madagascar. Ces gens-là n'ont pas construit les institutions religieuses de l'île de la Réunion
Ce sont les indo-musulmans gujaratis qui les ont construites. Ensuite, ce sont les chiites qui sont arrivés de Madagascar, où ils étaient pour la plupart nés, où leur famille était commerçante depuis longtemps. Ce sont aussi des gujaratis. Ils appartiennent à des familles différentes. Les Isna Asheri, ou duodécimains, qui sont les plus nombreux. Les Daoudi Bora, et ensuite les Ismaéliens de fidèles de l'Aga Khan. Sinon, pour parler encore des musulmans qui sont sur l'île de la Réunion, il faut parler des Maghrébins, parce qu'il y a une immigration nord-africaine qui est assez nombreuse maintenant. Et puis, il y a évidemment les convertis, des créoles convertis, et puis des métropolitains convertis. Mais ceux qui ont les rênes des institutions religieuses, ce sont toujours les gujaratis sunnites. Tout le fonctionnement des institutions religieuses leur appartient parce que c'est le fruit des sacrifices de leurs parents. Tout a été autofinancé par la communauté. Il n'y a eu jamais aucune subvention. Donc il fallait trouver des revenus suffisants pour payer à la fois l'imam, ceux qui entretiennent la mosquée, et actuellement, donc avec la médersa, les enseignants coraniques. Eh bien, c'est la construction de ces magasins tout autour de la mosquée, patrimoine de l'association qui gère les affaires de la mosquée. Donc, ce sont les revenus locatifs de ces commerces qui servent à financer, en fait, à la fois l'entretien de la mosquée, à la fois le paiement de tous ceux qui travaillent pour l'association. Les hommes qui sont déracinés, quelle que soit leur foi, ils ont toujours à cœur d'avoir leurs institutions religieuses, partout. Parce que le fait de vouloir avoir leur lieu de culte, et leur cimetière notamment, ça signifie qu'ils s'approprient le territoire dans lequel ils se sont installés. Ça veut dire que c'est leur patrie. Et c'est pourquoi c'est très très important pour eux d'avoir leur lieu de culte, leur lieu d'ensevelissement de leur mort, parce que dans l'islam, il y a des lois bien particulières pour ça. Et puis, ils ont voulu, bien évidemment, transmettre la foi de leurs parents à leurs enfants, et ils ont voulu avoir des écoles coraniques. Et la Réunion, pour ça, est pionnière dans l'histoire de la République française. Si au départ, effectivement, ces indo-musulmans étaient pour essentiellement des commerçants, après le boom des années, disons 70 à peu près à 2000, et avec la départementalisation et les besoins de la population, avec la diversification dans l'économie locale, les gujaratis ne sont pas uniquement donc des commerçants, ils se sont formés dans des différents corps de métier. Bon, on trouve à la fois dans les professions libérales, à la fois dans l'éducation nationale et un petit peu dans tous les corps de métier pratiquement. À Saint-Denis, nous avons un conseil d'administration composé de 25 personnes, donc 75% de jeunes. Moi, j'en suis le président. Et ce conseil d'administration donc, gère la grande mosquée, bien entendu, quelques salles de prière, et des écoles également, coraniques, mais aussi une école privée, partie française, qui regroupe donc, depuis la maternelle jusqu'au primaire, c'est-à-dire jusqu'à la classe de cours moyen 2. Et cette école, c'est en partenariat avec l'État. Les enseignants donc, sont rémunérés, bien sûr, dans le cadre de l'éducation nationale, par le rectorat. Et nous gérons donc environ 1200 élèves en tout.
À côté de ça, nous avons une SCI qui gère la partie immobilière pour assurer des revenus pour le fonctionnement et puis les dons des fidèles. Le plus gros, c'est le don des fidèles. Les fidèles participent énormément donc, au fonctionnement de toutes ces structures. Et on a une particularité, c'est qu'à La Réunion, à Saint-Denis, et en général à La Réunion, tous les fonds viennent des Réunionnais. On ne reçoit pas de fonds de l'extérieur. Donc c'est de l'autofinancement à 100%. Moi, ce qui m'a impressionnée quand je suis arrivée à La Réunion, c'est la visibilité de l'islam dans cette île. Parce qu'on est dans un département français. C'était à l'époque où il y avait un charivari pas possible en métropole, parce qu'il y avait des jeunes filles qui avaient voulu aller au lycée à Creil avec un foulard, parce que chaque fois que des musulmans demandaient une autorisation pour avoir un lieu de culte, c'était une levée de bouclier incroyable, surtout au moment des échéances électorales. Donc moi je suis arrivée ici et j'ai vu que ben, finalement ça se passait pas mal du tout, plutôt bien, et qu'en tout cas ça ne gênait personne. Donc le premier point c'est ça, c'est la grande visibilité de l'islam, parce que les mosquées font partie du patrimoine culturel depuis longtemps, et puis il y a l'appel à la prière quand même, qui depuis 1981 rythme les journées de tous. C'est impressionnant. Le fait religieux est très prégnant à La Réunion. Toutes les villes portent les noms des saints. Et ici, le vivre ensemble, il fait côtoyer toutes les religions, comme aussi ce qu'on peut appeler les communautés des pays d'origine. Pour autant, je crois que ce vivre ensemble, il s'appuie sur le substrat des valeurs républicaines, que sont l'égalité, la fraternité, la solidarité. Ce sont également des valeurs qu'on trouve dans toutes les religions. La Réunion offre à chacun la possibilité de vivre pleinement sa foi, dans le respect des autres et en harmonie avec les institutions républicaines. Le Conseil représentatif du culte musulman agit dans cet état d'esprit. Cas unique en France, il fédère l'ensemble des sensibilités musulmanes locales. Des sunnites de rite hanafite, majoritaires, jusqu'aux trois tendances chiites présentes sur l'île. Le CRCM, Conseil régional du culte musulman, est la déclinaison du CFCM, Conseil français du culte musulman, mis en place en 2003. S'agissant de cette instance représentative qui aujourd'hui fédère toutes les sensibilités musulmanes à La Réunion, que ce soit donc les sunnites d'origine comorienne, indienne ou autre, ou les chiites, puisqu'il y a trois branches chiites à La Réunion, il y a une unité de représentation au sein du CRCM qui est donc une instance représentative. Les besoins exprimés, ce sont les mêmes problèmes que nous connaissons en métropole, à savoir les questions d'aumônerie, le problème du halal, l'organisation du pèlerinage
et surtout un rôle important au niveau des pouvoirs publics en termes de représentation. Nous sommes les interlocuteurs aujourd'hui des pouvoirs publics s'agissant aujourd'hui des questions qui peuvent se poser, que ce soit d'actualité, des problèmes sociétaux ou des problèmes tenant à l'organisation du culte. Le climat qui règne à La Réunion, je dirais que c'est un climat très excellent et je souhaite que ce climat soit pour toujours pérenne dans la mesure où ici nous avons l'islam qui est vécu de manière tout à fait reposant sur l'expression de la foi, mais en même temps avec une harmonie et une cohabitation que je dirais qu'on aura du mal à trouver ailleurs, dans la mesure où nous avons d'excellentes relations avec nos frères musulmans sunnites, avec nos frères chiites aussi, et même, je dirais, avec d'autres sensibilités religieuses. Et pour preuve que lorsqu'il y a des événements qui nécessitent qu'il y ait une synergie de représentation des sensibilités religieuses, nous sommes tous ensemble pour exprimer évidemment notre position commune. Et ça, je crois que c'est une des qualités qui préside l'harmonie de l'islam à La Réunion et surtout exprimée de manière pacifique. On parle d'une seule voix. Que nous soyons sunnites ou chiites, que nous soyons de telle ou telle origine ou pas. Et cela permet effectivement d'avoir une crédibilité dans nos projets, dans nos actions. Il y a un respect des règles, il y a un respect des valeurs républicaines, mais nous nous faisons respecter également lorsqu'il s'agit de nos traditions et nos valeurs. La finalité de tout croyant, c'est bien d'aller vers la paix et la concorde, et la République nous amène également à faire en sorte que nous défendons avant tout la paix et la concorde. De la même façon, l'islam est compatible et la France est un terreau très fertile pour que toutes ces valeurs puissent être vécues. Et c'est vrai qu'on peut être engagé pour son pays, engagé dans la République et défendre également ces valeurs que sont l'égalité, la fraternité, la solidarité. L'islam nous demande également d'être solidaires, d'être fraternels et d'aller vers également cette liberté de conscience que chaque croyant doit avoir avant tout. Eh bien, à Saint-Denis, nous avons eu une relation très ouverte, très tolérante avec toutes les religions. Nous avons initié il y a longtemps, 25 ans, la célébration des grandes fêtes. Et nous fêtons à la mairie, à l'intérieur de la mairie, par exemple la fin du Ramadan, l'Eid el-Fitr. Aujourd'hui, nous la fêtons sur la place publique en invitant tous les Réunionnais à y participer. Donc nous sommes dans cette vision d'une grande tolérance partagée où il n'y a pas de problème. Nous avons également cofinancé des écoles coraniques pour que la mairie de Saint-Denis soit la mairie de tous les Dionysiens. Nous sommes dans un excellent rapport et il n'y a pas de tension interreligieuse à Saint-Denis comme ça peut exister ailleurs, en métropole notamment. Donc nous vivons cela très bien. Et nous avons aussi appuyé une demande du groupe de dialogue interreligieux à La Réunion qui veut qu'on échange dans le calendrier français 3 jours fériés catholiques contre 1 jour férié musulman, la fin du Ramadan par exemple, 1 jour férié tamoul, 1 jour férié bouddhiste, pour que tout le monde partage ces grandes fêtes. L'association musulmane de La Réunion a été fondatrice du groupe de dialogue interreligieux avec l'évêque et avec tous les représentants des grandes religions et même des religions dites populaires. C'est tout un groupe qui est important, qui a une certaine influence au niveau de la population et de l'opinion. Nous avons créé une solidarité, nous avons une approche commune des dossiers, nous agissons de façon préventive, il y a des échanges, des messages à l'occasion des temps forts. Et nous sommes surtout, au niveau du groupe de dialogue interreligieux également, les interlocuteurs privilégiés des pouvoirs publics. Et c'est dans la mesure où on se connaît qu'on fait reculer la peur et la violence.
à partir de cette humanité partagée avec la même terre sous nos pieds, le même ciel sur notre tête, le même soleil et le même air que nous respirons, nous nous respirons les uns les autres. Et je suis chrétien, mais en étant disciple de Jésus, nous avons des points communs. Nous sommes des enfants d'Abraham. Nous croyons au Dieu créateur. Il y a la sourate 19 qui nous donne des points de convergence. Il y a la dévotion envers Marie. Et puis il y a le retour de Jésus, interprété différemment. Mais nous sommes invités à ne pas nous prendre pour des dieux et surtout pour Dieu. Parmi les nombreux projets portés par les musulmans de la Réunion, le plus récent concerne l'alimentation halal. La structuration de ce marché, depuis le producteur jusqu'au consommateur, a vu la naissance récente d'un label halal pour l'ensemble de l'île. Un label qui intéresse de plus en plus de commerçants non musulmans, cherchant à capter cette population et son fort pouvoir d'achat. Le GIE Halal Réunion a été mis en place à l'initiative du Conseil régional du culte musulman de La Réunion et du Centre islamique de La Réunion. Deux instances représentatives, l'une religieuse, l'une plutôt administrative, pour en fait apporter un service à toutes les entreprises qui souhaitaient proposer une certification halal destinée aux consommateurs musulmans de La Réunion. Ça, c'est la production du pain frotté, donc en amont, c'est totalement contrôlé. Le groupement travaille avec quatre contrôleurs, hein, donc on est une toute petite structure. Et nous ne faisons pas d'appel à halal. C'est que les industriels ou les commerçants s'adressent à nous et nous répondons à une demande. Lorsque je vois qu'il y a le logo de Halal Réunion, donc pour moi c'est OK. Nous avons la chance de vivre à La Réunion dans un milieu qui est reconnu pour son vivre ensemble et où tous les acteurs de la société réunionnaise œuvrent et travaillent afin de léguer ce vivre ensemble aux générations futures. Et les premiers indo-musulmans, lorsqu'ils sont arrivés à La Réunion, ont eu pour souci premier de reproduire le modèle qui existait au Gujarat, c'est-à-dire d'installer un islam en tenant compte que, tout comme en Inde où les musulmans étaient minoritaires, réussissent à s'épanouir dans leur foi, mais tout en étant respectueux des valeurs du pays dans lequel ils habitaient. Donc ils ont mis les bases d'une société qui reposerait sur un socle, la mosquée et la médersa. La mosquée étant le lieu où ces croyants pourront s'épanouir dans l'adoration de Dieu, mais la médersa étant le lieu de la transmission du savoir. Savoir qui va leur permettre d'être respectueux des actes de culte de leur religion, mais aussi respectueux de l'environnement dans lequel ils vivent. Parce que le bon musulman est aussi le musulman qui apporte un plus à la société dans laquelle il vit et qui est aussi un bon citoyen. Les enseignants de la médersa ont tous suivi un cursus variant entre 6 et 9 années, où ils se sont spécialisés dans la lecture du Coran, dans le droit islamique, dans l'exégèse du Coran, dans les traditions du prophète Mohammed, dans la philologie, dans la philosophie, dans la logique. Et ensuite, régulièrement, ils ont des formations liées à la pédagogie qui font que nous avons de la chance d'avoir des enseignants qui sont formés et aptes à donner un enseignement, j'insiste, qui est lié au contexte dans lequel nous vivons. Et il s'avère que là où j'ai fait mes études, le directeur avait fait un voyage dans plusieurs pays. Et il avait trouvé que La Réunion était un endroit où les étudiants, les jeunes n'aient plus à voyager et qu'ils puissent se former sur leur propre île et même peut-être former des étudiants qui viendraient d'ailleurs, plus particulièrement de la métropole ou des départements d'outre-mer tels que Mayotte, etc. Le but, c'est de former des hommes pour être imams, plus particulièrement sur le département français. Il y a donc 7 années d'études pour devenir imam. Et une fois, on nous avait demandé en un mot de situer l'ITMR. Qu'est-ce que l'ITMR ? Et c'était une phrase toute simple. La maîtrise du texte
et la compréhension du contexte. Nous sommes dans une île, Belle-Île, où les gens se respectent, vivent en harmonie. Il faut garder cela. Donc nous avons toutes ces réflexions-là pour les imams de demain. Le vivre ensemble est réel à La Réunion. Les religions se côtoient, se connaissent. Il y a une interpénétration des cultures, voire même parfois du syncrétisme religieux, puisque les religions aussi s'interpénètrent. Pour autant, il faut rester vigilant, parce que en période de crise, le réflexe de repli communautaire comme individuel peut être une manière de s'exprimer ou d'exprimer son mécontentement. Je crois vraiment qu'il faut faire en sorte qu'effectivement tous les autres conflits ne trouvent pas de terreau ici. Le dialogue interreligieux, il doit rester vigilant et il doit continuer, perdurer pour que les valeurs républicaines puissent justement continuer à vivre sur cette terre française et européenne. La réussite des musulmans de l'île de la Réunion apparaît particulièrement exceptionnelle. Un succès économique, social, politique et religieux qui doit beaucoup au travail des générations passées et que certains citent comme une référence possible pour la métropole. On a une histoire qui est propre à la Réunion et il est toujours dangereux, je pense, de systématiquement transposer les choses. Ça serait une erreur de penser qu'on est un modèle. Moi, j'aime pas trop d'ailleurs le terme de modèle, parce que je pense que chaque contrée a son histoire, a sa propre histoire, a sa richesse. Et je pense que la Réunion a ses richesses, mais a aussi un certain nombre de faiblesses sur lesquelles il nous faut travailler en permanence. Et si on a bien compris la laïcité, la laïcité, c'est pas la disparition du religieux dans l'espace public. C'est au contraire le respect, justement, des différentes confessions, des différentes religions, à condition qu'on puisse échanger et ne pas rester dans une ignorance mutuelle. C'est-à-dire qu'on est capable de se mettre à la place de l'autre pour comprendre sa propre croyance, pour échanger véritablement, être en partage. Je pense que c'est ça le sens du message qui nous permettrait justement de continuer à nous épanouir dans ce vivre ensemble réunionnais. Donc toute réforme d'une société commence par une réforme de soi-même. Mon île, tu as réuni dans ton cœur des gens de toutes les couleurs comme un défi au monde entier. Et du fond de ma mémoire, les lourdes pages de l'histoire auront beau me rappeler la douleur de ton passé. Malgré les pires passages, mon plus beau livre d'images, c'est celui qui porte ton nom.